Une Roomba, Héloïse Martin et son partenaire Christophe Licata. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I broke my heart, yet through it all, this much remains. Bravo Héloïse et bravo Christophe. Les parents sont très contents, ils se régalent ce soir, les parents d'Héloïse qui sont venus la soutenir ce soir. Alors, est-ce que ça met la pression d'être la première de la classe avant de danser? Un petit peu, oui. Ça met plus de pression? Plus de pression, pas envie de décevoir. Vous avez été formidable. Avant le débrief des juges, vous étiez première la semaine dernière, je le disais, et quelqu'un était très très fier de vous. Il voulait absolument nous laisser un message. Je vous laisse le découvrir, vous le connaissez bien, il voulait vous féliciter, regardez. Alors là, ma Tamara, mes premières du classement, premier prime, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo, juste maintenant je me pose des questions, parce que moi j'ai essayé de t'apprendre le tcha-tcha sur le tournage, et ça rendait pas ça, ok? Donc soit Christophe Licata est un magicien, soit je suis un mauvais prof. Je sais pas. Peut-être que t'as je t'avoue que j'ai médité un petit peu sur la question, hein, et j'ai jamais été prof en fait, tout simplement, hein, donc voilà, même si Licata a une chambre à Poudlard, ce qui peut l'aider quand même la semaine. Moi je trouve que vous avez trouvé la formule magique parfaite, vous êtes beaux tous les deux, je vous soutiens, je vous aime, allez. Merci. Merci à Ryan Benzetti. Merci. Une petite barbe de magicien qui est pas mal, hein. Oui. Ça va bien. On aura la note des quatre juges, bien sûr, mais j'aimerais avant tout avoir l'avis de Chaim et Patrick. Chaim, votre avis sur cette danse? Héloïse, t'as toujours une technique très appliquée, très scolaire, très propre. Vous avez des gens merveilleux sur le cha-cha, elles sont aussi merveilleuses sur cette rumba. J'avais beaucoup insisté sur ton côté femme, que j'avais envie de voir plus sur cette choré. Là, t'avais la chanson et t'avais le style de danse pour pouvoir exploiter ça. C'est beaucoup mieux. En revanche, j'ai envie que tu le vives encore plus dans le regard. Va au fond de ton émotion et arrête d'avoir peur et d'être timide, parce que t'as tout pour aller au bout de toi, tout simplement. D'accord, merci. Et la figure imposée, vous en dites quoi, Chaim? Mais je dis ce que je veux sur la figure imposée. Ouais, ça va, allez. Non, mais attends. Je suis en détente, hein. Il n'y a pas d'agression. Maintenant, je fais le suspense. Il n'y a pas d'agression, maintenant, non. Maintenant, je fais le suspense. Non, faites un peu de suspense. C'est je bien le suspense. Suspense. Okay. On fait un peu du suspense. Ah non, mais un coup merci de pression. Vous. Il y a un caractère qui se cache derrière cette frange. Vous en dites pas plus. Ça bouillonne. Patrick Dupont, mon Patrick, qu'avez-vous pensé de la prestation? Je suis heureux de vous avoir mis un 9 la semaine dernière parce que vous le méritez. Vraiment. Je suis aussi heureux parce que cette émission nous permet à chaque fois de casser des lieux communs, de casser des idées reçues. Et ce que vous avez fait ce soir, notamment la figure imposée, ça va donner de l'espoir à des milliers de gens. Je l'espère et j'en suis sûr. Tu dis tout. Enfin bon. Il n'y a plus de suspense. Maintenant, attention, la femme de la rumba, elle mange le sol. Elle mange, elle a peur de rien.
Vous ne devez avoir peur de rien. Effectivement, comme vous l'a dit Chaim, n'hésitez pas à ne pas avoir peur, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, surtout dans votre cas. Donc on va devenir beaucoup plus exigeant maintenant, parce qu'on connaît votre potentiel. D'accord ? Ah, oui. D'accord, okay. Ça me va. Très bien. Voilà. On a écouté vos avis, maintenant, Héloïse, Christophe, c'est le moment des notes. On est un peu là pour ça, non ? On est là pour ça. Eh bien, bien sûr. Les notes, c'est parti, on les découvre, les notes de nos juges. Attention, Patrick n'est pas prêt sur ses notes. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes. Patrick Dupont. Je mets un 8. Oh, merci. Shy. Je mets un second 8. Chris Marquez. Pour une belle rumba de compétition, 7. Jean-Marc Généreux. Il y a de la constance dans la performance. Quand Christophe Licata se transforme en Tom Cruise, tout est possible. 8. Oh, merci. La figure imposée par Shy. Le suspense. Je dis ce que je veux, mais je dis surtout que c'était génial et réussi. Ouais. 6 points. Bravo. Merci beaucoup. Votre première place de la semaine dernière vous a rapporté 30 points, auxquels on a ajouté 36. Ça fait 66 points, un très beau total. Wow. Vous vous placez premier ex aequo du classement avec Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova.